2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pas. On dit qu'au paradis, notre ancêtre Adam avait naturellement le don de longue vue et qu'il l'a perdu avec la chute, comme son innocence et le reste, condamnant l'homme à mal voir. 6000 ans plus tard, une nouvelle invention nous libère enfin de cette vieille malédiction et nous permet de voir au-delà des limites de nos yeux chétifs. Le télescope de Galilée. C'est une histoire qui se déroule en 1610 pendant 10 nuits sur une terrasse d'un pavillon dans le parc du château impérial de Prague. On est sous le règne de Rodolphe II. Rodolphe II, qu'on appelle à l'époque l'empereur alchimiste, qui est un empereur en fait mélancolique, c'est-à-dire fou, mais qui autour de lui a réuni les plus grands savants et les plus grands artistes de l'époque, et parmi eux Kepler. Astronome, mathématicien, astrologue de l'empereur, qui est un personnage extrêmement singulier. Et il se trouve que Kepler, pendant ses 10 nuits, va réussir à se faire prêter un des premiers télescopes construits par Galilée. Voilà. Donc le film raconte 10 nuits d'observation à travers un instrument qui vient juste d'apparaître. Pour la première fois, l'homme peut voir plus loin que la limite du regard à œil nu. Et cet instrument tourné vers le ciel, évidemment, fait que toutes les anciennes croyances et toutes les anciennes connaissances, entre guillemets, commencent à vaciller. Voilà. Donc il y a un instrument, le télescope, de très très mauvaise qualité, c'est un des premiers. Il y a un génie cinglé qui s'appelle Kepler, qui décide de passer ses 10 nuits non seulement à scruter le ciel, mais aussi à démonter l'instrument pour comprendre comment il marche. Et autour de ça, il y a un climat à la fois de très grande curiosité intellectuelle et en même temps de superstition, d'intolérance, de persécution. On est dans un moment où il y a une des pires vagues de chasse aux sorcières qui se prépare au cœur de l'Empire allemand, etc. Recule. Avance. Doucement, tu es le soleil. Ne bouge plus. Voilà ce que nous avons vu hier. Des creux, des vallées, et les points lumineux dans la partie sombre, des sommets. Que le soleil touche déjà alors que les pentes et les vallons sont encore dans la nuit. Quand j'ai commencé à travailler sur ça il y a assez longtemps, je me suis évidemment posé la question de savoir pourquoi ne pas le faire beaucoup plus simplement sous une forme documentaire. Et puis je suis arrivé vite à la conclusion que le documentaire, qui peut faire énormément de choses, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est créer la multiplicité des points de vue, et créer du mal-voir. C'est-à-dire le documentaire est un genre qui, même si il juxtapose des points de vue multiples, d'une certaine manière, il les met dans le même aplat, et il voit toujours trop bien, je dirais. Bon, après, il y a des exceptions, on peut dire, il y a des cinéastes comme François Caillat qui vont s'amuser à dénaturer ou à détruire certaines zones de l'image, etc. Mais globalement, le documentaire est un genre, pour moi, à ce moment-là, un peu trop transparent. Or, je voulais raconter des histoires qui tournent autour du fait qu'on voit bien ou qu'on ne voit pas bien.
qu'on a de toute façon du mal à voir, qu'on est dans la nuit, qu'on est avec des outils extrêmement rudimentaires, que le ciel est très très loin, etc. Et je me suis dit, si je ne le fais pas passer par des corps physiques qui incarnent les différents points de vue, je ne retrouverai pas ça. Voilà. Ce que j'appelais à l'époque le système Rashomon. C'est-à-dire, je voulais un film où il n'y ait pas de vérité imposée de l'extérieur par la machine de réalisation, et où on puisse, jusqu'à un certain point, se laisser aller à la variation des points de vue. Le 2 septembre, à 2 h du matin, nous avons pu observer Jupiter à son lever et voir pour la première fois les nouveaux astres de Galilée. L'observation fut malaisée à cause de la médiocrité de l'instrument et de ma vue déficiente. À toi. Mais elle a été confirmée par Bernard, mon assistant. Le parti pris du film. Et ça, bon, c'est ce que je recherche moi tout le temps dans tout ce que je fais, c'est que le film, pour le spectateur, soit une expérience. C'est-à-dire que ce soit une expérience visuelle, sensible, intellectuelle aussi, pourquoi pas, hein, c'est pas interdit, qu'il bouge un peu, qu'il modifie un peu dans sa manière de voir les choses. Donc je voulais que tout simplement le spectateur puisse éprouver, même si c'est de façon un petit peu lointaine, ce que c'était de vivre dans un monde sans lumière électrique, ce que c'était d'avoir cette énorme concentration sur des petits trucs vaguement brillants dont on ne sait même pas à l'époque, on ne peut même pas prouver qu'ils existent physiquement, hein, c'est peut-être juste des hallucinations, etc. Et donc j'ai décidé très vite de plonger le film dans le noir. Voilà. Alors, évidemment, panique à bord, parce que parfois on se retrouve avec des coproducteurs éventuels qui aiment bien le projet, qui aiment bien l'histoire, et quand je leur dis on sera dans le noir, etc. Mais en fait, c'est des notions très relatives, parce que le noir très dense et très intense, hein, sur lequel on a travaillé, fait que là où il y a un peu de lumière, cette lumière devient extrêmement forte. Donc c'est des effets de contraste. Je ne voulais pas en tout cas de la nuit telle qu'on la fait en général au cinéma, c'est-à-dire une nuit où on voit trop. Quand j'ai commencé à préparer le film il y a longtemps, parce que c'est évidemment un chemin long, et que tous mes copains autour de moi me disaient, mais t'es fou, tu vas faire un truc en costume et tout, je leur disais toujours, c'est pas grave, ça se verra pas trop parce que c'est dans le noir. Mais quand j'ai commencé à préparer le film, on a fait des essais à un moment, avec un chef-op avec qui je pensais travailler, qui après n'a pas pu faire le film, mais que par ailleurs j'aime énormément son travail, qui s'appelle Ned Burgess, avec qui j'ai fait beaucoup de mes films documentaires. Et on a fait des essais et j'étais absolument catastrophé, catastrophé, parce qu'on se retrouvait avec une image un peu mièvre, un peu chromo-renaissance pour livre d'histoire un peu vieillot, quoi. Tout ce que je voulais pas, et on se retrouvait aussi avec des images peu contrastées. Peu contrasté, molle comme ça. Et moi, j'aime bien les images tranchées, j'aime bien les structures un peu fortes. J'aime pas du tout les choses en demi-teinte, en fait, ça m'a jamais intéressé. Et donc, on a commencé avec le chef-op avec lequel j'ai repris le film, on a commencé toute une réflexion sur comment, avec des bougies et des lampes à huile, puisque le film est éclairé entièrement comme ça, hein, enfin, quasi entièrement comme ça, comment retrouver une image forte, quoi, violente. D'où par exemple une décision toute bête, c'est qu'on a décidé de. Parce que souvent les bougies, quand on les filme, on leur donne un aspect orangé, rougeâtre. Et nous, on a décidé de les laisser cramer, c'est-à-dire le point d'incandescence est blanc. Voilà, pour que ça reste fort, quoi. Dans les mois qui ont précédé le tournage, sont enfin apparus des appareils photos
qui permettait de tourner de façon fiable à 25 images secondes en HD. C'est-à-dire, si on avait dû faire le film avec ce qui existait comme caméra HD à l'époque, on a tourné début 2010, on ne pouvait pas le faire, tout simplement. Parce que des caméras avaient une sensibilité qui ne dépassait pas 200 ASA. Et donc, impossible de tourner en lumière réelle d'une bougie ou d'une lampe à huile. Donc, il aurait fallu éclairer de façon standard et on était mort, là. On était mort, on n'y arrivait pas. J'ai gratté l'arrière de l'œil pour le rendre transparent. Voilà, l'image du monde comme elle se forme sur la rétine. Nous voyons à l'endroit. Elle est à l'envers. Comment faites-vous pour la redresser ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Aucun rayon lumineux ne peut aller plus loin que le mur opaque de la rétine. Au-delà commence un monde obscur qui échappe à la raison mathématique. La lumière n'y pénètre jamais et par conséquent, les lois de l'optique et de la géométrie cessent de s'y appliquer. Kepler, qui est absolument obsédé des questions d'optique, autant que d'astronomie, va à l'époque, au moment, dans cette petite période où il s'intéresse au télescope, va s'intéresser aussi à l'outil de base, qui est l'œil humain, qu'il va disséquer, dont il va être le premier à expliquer le véritable fonctionnement comme système optique, etc. Donc moi, évidemment, tout ça, je trouve ça très fascinant. Je trouve ça très fascinant parce que d'une certaine manière, alors quand on raconte le truc comme ça, ça a l'air d'être un truc intellectuel, machin, etc. Mais en réalité, c'est des problèmes très concrets. Les gens, ils ont un œil de bœuf, par exemple, et ils l'ouvrent pour voir comment on s'est foutu dedans. Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir ? C'est pas des problèmes métaphysiques. Le télescope, c'est pareil. Et le truc le plus étrange dans le film reste le ciel, parce que le ciel est très très loin, et au fond du ciel, on ne connaît que ce que nous en disent nos yeux. Et donc Kepler a toute une réflexion extrêmement profonde sur ça. Il dit, bon, si on veut comprendre l'astronomie, il faut d'abord vraiment comprendre ce que c'est le mécanisme de la vision humaine, que lui, il met par ailleurs au centre de son système. C'est, Kepler est quelqu'un de à la fois très très novateur, vraiment c'est un des esprits les plus aventureux de son époque, et en même temps c'est quelqu'un de très religieux. Donc il écrit à un moment dans cette période-là télescopique, il écrit cette très jolie phrase, il dit « Dieu nous a donné les yeux comme ornement et comme instrument pour qu'on puisse admirer les beautés de la création. Voilà. » qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour un film, hein, au fond.